machine terminée, sec, on peut voir le fond de la cuve. Voilà, tout est bien sec, la peinture ne s'est pas retirée, j'avais peur à ça. Et comme on peut voir, tout est nickel, tout est propre, tout est bien comme il faut, c'est ça le principal. J'avais peur qu'à faire, en fait, à force de faire une lessive avec la javel ou quoi que ce soit, que ça puisse partir. Non, pas du tout, je suis même très content que tout puisse être nickel de chez nickel. Alors du coup, voilà, une fois que tout sera sec, je vais remonter le panneau arrière. Voilà, tout a été ressuyé, vidé, pompe, tuyau d'eau. Voilà, petite machine qui a tout terminé, qui a fait toutes ses petites fonctions principales. Et voilà, voilà, tout propre, tout sec, tout nickel. Voilà, j'espère que les vidéos vous ont plu. Merci beaucoup à tous les abonnés, tous vos petits messages qui sont super sympas, qui me font bien bien plaisir. Et vous inquiétez pas, vous aurez des nouvelles dès qu'il y aura quelque chose. Et voilà, alors du coup, je fais le gros bisou à tous les abonnés et à très bientôt. Bon, test de la Videx Blanco sur les chaussures, les petites de basket. Comme là, ils sont bien sales pour reblanchir tout. Alors du coup, un petit peu de celle-ci, voilà. Voilà. On va mettre un petit peu de Videx et laisser tremper, voir l'efficacité. Ça n'arrête pas beaucoup non plus. Voilà, comme c'est très très corrosif et ça bouffe beaucoup. Du coup, un tout petit peu. On va mélanger un tout petit peu comme ça, vite fait. On va plonger, il va plonger les petites chaussures. Hop. Et on va laisser tremper comme ça toute la fin de journée jusqu'à 5h15, jusqu'à à peu près 7-8h. Voilà, on laisse que ça trempe. Hop. On va laisser tremper complètement. Et on se retrouvera une fois que sera bien trempé pour voir la vérification.